Vi presento una ricetta particolare, la pasta alla norma. E quindi, allora, la pasta alla norma, c'est simple. Il faut de l'huile d'olive, il faut du basilic, et il faut de la tomate San Marzano, si possible, la San Marzano du côté de Naples. Ensuite, il faut une belle aubergine, donc une aubergine sicilienne. Hop. Une aubergine sicilienne, haricotta salata. Ça, c'est haricotta salata. Et ensuite, il faut de l'huile de tournesol pour frire les aubergines. Il faut de l'ail, l'ail Lautrec, c'est le meilleur. Un cipollo, sedano, céleri, i pomodorini pacchini. Posto. On va commencer par la tomate. Donc la tomate, surtout pas la mixer avec un mixeur parce que le fer du mixeur va donner un goût de fer en fait. Donc on va juste la mettre dans une assiette comme ça. Vous voyez, les tomates, elles sont pleines de soleil, hein, c'est des vraies tomates, hein, c'est des tomates qui ont du goût. Et on va juste les écraser. On va faire la cipolla. La cipolla, on va la couper après. Mm-hmm. On va la couper après. On va couper aussi les petites tomates cerises. Bon, bien sûr qu'ils ont été lavés avant. Les tomates cerises, le basilic et le céleri qui ont été lavés avant, l'aubergine bien sûr. La moitié de la cipolla, il y en aura largement assez. Donc l'ail, regardez bien ce que je vais faire. L'ail, on va pas le couper, on va l'écraser. L'ail, on va juste l'écraser. Comme ça, il n'y aura pas de saveur du tout du fer. Alors, l'aubergine, on va la couper, on va la saler pour qu'elle sue. Et après, on va la poêler. Là, on la coupe. Voilà. Donc là, on va les laisser une bonne dizaine de minutes qui vont suer, vont bien suivre en toute l'eau. Et voilà. On va aller revoir la sauce tomate qui est en train de mijoter. Voilà, et là on laisse mijoter pendant, on va dire, 40 minutes à feu doux. Donc là je mets un feu vif juste pour que ça commence à faire les bollicine, et dès qu'il n'y a plus de bollicine, on remet à feu doux et là on laisse mijoter pendant minimum 40 minutes. Comment cuisiner une aubergine? C'est-à-dire qu'une aubergine, comme c'est un légume, il n'y a pas du tout de matière grasse. Donc on va lui apporter de la matière grasse. Donc plus une aubergine sera grasse, meilleure elle sera. Là, vous voyez que l'aubergine, elle boit la matière grasse. Là, on va ajouter les tomates cerises. On va ajouter aussi un peu de basilic.
toujours comme ça, hein, pour un sabot. On va dégraisser un petit peu. Là, on a les bollicines, vous voyez. Là, il y a les bollicines. Elles commencent à être chaudes partout. Donc là, je vais enlever les morceaux d'ail, tout ça, qui en bouche vont être un peu désagréables. Ça, les dos, et on met les pâtes. Là, il y a 500 grammes de pâtes. Alors on va garder un petit peu de ça pour mettre par-dessus les pâtes après. Et là on va mettre les pâtes, on va incorporer les pâtes dans la sauce qui sont pré-cuites, ils sont pas encore tout à fait cuites. Ça, on les égoutte pas, on garde l'amidon, on garde le cuisson. Faire tenir encore mieux la sauce, on va rajouter un peu de sauce tomate. Ça, la sauce, elle va prendre plus de couleur. Voilà. Et là, on a une pâte al dente. Là, j'ai préparé environ 4 personnes. On va mettre les aubergines et le plus important, la ricotta salata, qui là va faire toute la différence du plat, parce que ça va saler un peu plus le plat. Et après, si vous voulez rajouter un peu de rouge, hein, vous allez mettre de la sauce tomate. Et la dernière chose qui est très importante, c'est l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, hein, c'est open bar, hein, on peut y aller. Hein. C'est la petite touche sur le plat. Voilà. Bonissimo.